Bonjour à tous, c'est Monsieur Montana. Bon, dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux coffres du jour. Donc, comme d'habitude, il y a un coffre sur terre, un coffre en mer. Le coffre sur terre est facile à trouver, mais il est loin. Et le coffre en mer est difficile à trouver, mais il est à côté. Voilà. Donc voilà, ça c'est le coffre qui est sur terre. Donc voilà, il est tout au sud de la map, mais par contre, il est très facile à trouver. Donc voilà un petit tour d'horizon histoire de bien montrer le lieu où est le coffre. Et puis comme vous avez vu juste avant, quelques zooms et des zooms histoire de bien voir encore où est le coffre. Vous avez deux screens en image fixe à la fin histoire de bien montrer le lieu où sont les coffres. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le premier coffre, le coffre qui est sur Terre, qui est très simple à trouver. Ensuite, le deuxième coffre, celui qui est en mer, est toujours plus compliqué à trouver. Bon, il est juste à côté de l'aéroport, donc ça c'est pratique. Mais par contre, il n'est pas simple à trouver, donc je vous conseille de rester à l'affût du message en haut à gauche qui vous indique, qui vous invite à faire flèche de droite. Parce que moi, c'est comme ça que je l'ai trouvé, hein. Je ne l'ai pas vu, je l'ai vu grâce à la flèche de droite, voilà, au menu en haut à gauche. Voilà. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, vous abonner. N'hésitez pas non plus à rejoindre la communauté PlayStation pour faire des braquages ensemble, pour jouer ensemble, pour faire des activités ensemble. N'hésitez pas non plus à rejoindre le clan, c'est pratique pour les mêmes raisons. Jouer ensemble, faire les braquages ensemble. Quand je fais des lives, j'invite toujours le clan. Donc si vous voulez jouer ou participer à des lives, faut rejoindre le clan. Voilà. C'est un clan ouvert à tous, donc voilà, vous avez juste à cliquer et vous en faites partie. Donc voilà pour le deuxième coffre. Pas forcément simple à trouver. Merci à vous et bon game. Allez, salut!